Ce matin, vous m'avez parlé d'une idée que vous aviez eue pour moi. Oubliez ça, Richard. Sincèrement, vous n'avez pas besoin de mon aide. Alors, c'est quoi ? Papillon Noir, c'est la nouvelle fiction de TF1. Un casting de rêve pour un huis clos envoûtant. Rencontre avec Christian Faure, le réalisateur. J'aime bien déjà le terme thriller psychologique. Attendez, moi, je vais vous donner la vie d'un fou de cinéma. Ça compte aussi, non ? Et comment ? Mon rôle dans le film, bah, il faut que je le raconte en deux mots, parce que si j'en raconte en trois, on va savoir toute l'histoire. Bah, c'est l'histoire d'un type qui prend un autre type en autostop et le ramène chez lui, pensant faire bien. Il va y avoir une sorte de harcèlement moral qui va s'installer entre eux, et une sorte de rapport sadomasochiste qui fait qu'ils vont tomber dans un engrenage qui va être quelque chose d'extrêmement violent jusqu'à la fin. C'est vraiment le casting parfait. J'aimais le côté très... très massif de Cantona, assez mystérieux, et la nervosité de Fraisse. J'adore sa nervosité et la fragilité d'Hélène au milieu. Après, il y a un juste milieu à trouver. C'est un équilibre comme dans tout dans la vie, vous savez. Ce sont des brutes, mais comme ça, en apparence, ils sont très, très, très mignons. Mon rôle est un rôle comme... voilà, on s'amusait, quoi. Je trouve ça vraiment un trio parfait. Je vous présente le scénariste. Hein. Salut. C'est la première fois que je rencontre un scénariste. Je suis un petit peu impressionnée. J'étais surpris de ne pas connaître son nom avant, quand j'ai vu la qualité de son scénario. Parce que j'en lis quand même pas mal, et j'en ai rarement vu d'aussi abouti et d'aussi palpitant à lire. J'attendais mieux de toi. Beaucoup mieux. Le scénario est intéressant, j'ai pas dit il est extraordinaire, je voulais pas trop montrer que je voulais vraiment le faire. Mais j'ai dit si jamais c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je le tue. La trame du récit ? C'est quoi la trame du récit ? C'est un petit peu mon histoire, hein, sauf... Je n'ai jamais tué personne, je vous le dis. Mais j'ai eu une petite traversée du désert et je me suis retrouvé un petit peu dans la peau de Richard. Je voulais que ça soit une histoire d'amitié entre hommes. Et c'est un bon début, continuez. C'est à vous de jouer maintenant. C'est vous le scénariste. Papillon Noir, bientôt sur TF1.